Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Icar et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'assez spécial puisque on a entre guillemets un événement qui se passe actuellement à Holy Edge et on a un nouvel item. Du coup c'est les nanites extraterrestres qui viennent enfin de popper en jeu et du coup nous permettent de faire pas mal de petites choses que je vais vous présenter du coup juste après. En tout cas les gars, avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va vous présenter toutes les nouveautés de cette mise à jour. Et ainsi du coup vous allez pouvoir voir tous les nouveaux défis qu'il y aura plus tard, etc, etc. Donc vraiment si vous voulez être tenu au courant de toutes les dernières informations de la saison, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également en boutique le petit code créateur Bokuni, donc voilà B-O-K-U-N-I. Ça me ferait plaisir que vous le mettiez les gars pour le soutien et puis merci, voilà, merci à tous ceux qui le mettent, vous êtes des génies les gars, vous êtes des génies, je ne sais plus parler. Bon du coup on se retrouve directement en jeu pour vous aider à trouver des nanites extraterrestres. Vous allez voir c'est vraiment dur à trouver mais moi je vais vous expliquer comment les trouver facilement. Et oui les gars, parce qu'il y a quelques astuces et surtout il y a des spawns prédéfinis, c'est vraiment compliqué à trouver parce qu'il y a très peu de chances à les avoir, mais voilà, avec les astuces vous allez pouvoir les trouver plus facilement du moins. Allez du coup on se retrouve directement en jeu pour les explications. Et voilà les gars, du coup on se retrouve directement en jeu. Donc on est avec Bokuni et du coup il nous a trouvé une nanite extraterrestre. Donc elle est juste ici. Alors les gars, en fait les nanites extraterrestres, je vais vous expliquer du coup à quoi ça concerne. Du coup qu'est-ce que vous pouvez faire avec les nanites et où vous pouvez les trouver. Personnellement du coup nous on en a trouvé du coup à Corny Complex. Alors vous allez dans l'espèce de silo où il y a Sloan et ici il y aura plein de coffres du coup qu'on appelle des coffres de ravisseurs. Alors lui, Bokuni, a trouvé la nanite qui était posée au sol, donc comme un drop. Il n'a pas eu besoin d'ouvrir de coffre, etc. Mais sachez que si vous voulez en trouver plus rapidement, vous pouvez offrir, enfin, vous pouvez ouvrir des coffres de ravisseurs. Vous aurez beaucoup plus de chances d'en avoir. Donc, tout ça, donc les lieux comme Corny Complex, les antennes radio, exactement comme ici, et du coup, Aslurpissamp, etc., vous pouvez en trouver également. Vous pouvez en trouver dans tous les coffres du jeu. Ça va être vraiment dans un taux très bas par contre. Vous pouvez en trouver également, vous savez quand il y a des gros vaisseaux et du coup qui vous aspirent pour faire l'événement, et ben tout simplement les gars, donc dans les coffres finaux de l'événement vous pouvez en trouver également. Mais là actuellement du coup ça a disparu du jeu, mais ça reviendra par saison, donc vous en faites pas, ça reviendra d'ici quelques semaines j'imagine. Donc là je vais prendre la nanite, je vais prendre du coup aussi le fusil d'assaut et vous allez voir du coup à quoi ça peut servir. Alors du coup on va directement regarder dans la fabrication et quand vous avez une nanite extraterrestre tout simplement elle vous permet de faire comme les écrous et les boulons, bah tout simplement en fait ça vous permet de changer n'importe quelle arme en arme extraterrestre. Donc là par exemple j'ai la SCAR, je peux la changer en fusil d'assaut à impulsion, mais vous pouvez du coup avec des snipers y changer en ray gun, etc, etc. Voilà. Donc vous pouvez également avec les nanites donc faire et créer des zones. Vous pouvez voir qu'en fait ça me fait un petit carré et du coup je peux dans n'importe quelle zone créer tout simplement un petit carré. Je vais lancer et on va voir. Hop. Donc voilà, ça crée quand même un carré comme ça et en fait ça fait une zone d'antigravité exactement comme vous avez pu voir donc dans l'événement de Holy Edge. Et je vais vous montrer du coup ça juste après pour que vous ayez du coup un petit peu un visuel directement de ce que ça donne grandeur nature, ok. Et voilà les gars du coup pour l'espèce de petit événement, c'est entre guillemets, donc on est à Holy Archery, donc vous pouvez voir à côté de Believer et de Weeping Wood. Et bah tout simplement en fait ici il va y avoir une nouvelle zone d'anti-gravité. Donc c'est exactement comme les nanites que je vous ai présenté donc précédemment, sauf que là c'est version XXL hein. Là on peut voir que clairement ça englobe toute la zone et ça a même fait pousser du coup des arbres extraterrestres et etc. Donc on peut voir vraiment ça, même là la végétation a bougé, on peut faire du coup des doubles sauts comme on veut du coup dans le petit événement quoi. Là je suis que j'ai décollé, je sais pas combien de sauts j'ai fait, mais j'en ai fait énormément.
Et en tout cas, les gars, bah, ça fait une petite nouveauté sur le jeu. Je sais pas à quoi ça va servir, ni si du coup ça va aspirer entre guillemets l'endroit, ou ça va le changer, ou si juste ça apporte une altération à l'endroit. Je ne sais absolument pas. Mais du coup, il faut savoir, ici, vous pouvez également trouver des nanites, hein. Donc, ça dépendra des coffres que vous avez, et ça dépendra aussi si vous en trouvez au sol. Là, comme par exemple, là, je viens de trouver le fusil à pompe spécialisé. Bah, tout simplement, vous pouvez tout simplement vous balader, et il y aura une nanite ici, tu vois, par exemple. Voilà, c'est sur les drops, ça change, et c'est totalement aléatoire. Donc, n'hésitez pas à spawn ici très souvent également, pour voir si vous en trouvez. Et hey les potes, en tout cas la vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas le code créateur Bukuni si on vous a aidé les gars. Et en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a bien aidé, et si oui, si elle a réussi à vous renseigner sur cette nouvelle saison. En tout cas les gars, n'oubliez pas qu'une fois pour toutes, on est là pour vous indiquer toutes les indications qu'il y a à savoir sur les nouveautés de la saison 7, ainsi que tout ce qui va arriver plus tard. Et oui les gars, par exemple là on a eu un nouveau lobby aussi, on va avoir plus tard Coral Castle qui va être détruit, etc, etc. On se tient alerte aussi de toutes les nouveautés, par exemple on va avoir un nouveau skin également, LeBron James. Donc voilà, il y a pas mal de nouveautés, mais pas mal de choses qui sont encore entre guillemets leak et pas certaines. Et nous les gars, on sort les vidéos uniquement si on est certain de l'information. En tout cas sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et sur ce, ciao, stay 40.